pu les voir. Le renfort est arrivé de la province de Liège. Ils sont de Verviers. C'est le cœur à Pierre Chéré, sous la direction de Robert Ortmann, qui vient nous prêter main forte pour une chanson où j'ai été un peu infidèle à mon frère d'armes et de cœur, Alain Souchon. Je suis en effet allé voir un autre auteur. Et oui, écoutez, il avait écrit quelque chose, des tas de poèmes très très beaux. Je me suis dit, je vais en mettre un en musique. Alors j'ai choisi, parmi ce qu'il avait écrit, un poème, et c'est là que c'est cette histoire de cette infidélité. Alors je suis allé voir l'auteur en question, et j'ai frappé à sa porte. C'est un monsieur très âgé. Il a mis beaucoup de temps pour arriver à la porte. Il est né au XIVe siècle. Alors il s'appelle Charles d'Orléans, et il a écrit beaucoup, beaucoup de poèmes quand il était en prison, après la bataille d'Azincourt, où les Anglais s'étaient dit « c'est un prince, on va le garder avec nous, les Français vont payer ». Et les Français ont mis 25 ans pour payer la rançon. Et pendant 25 ans, il était enfermé, il a écrit des poèmes, dont un qui s'appelle « Ma seule amour ». Alors je lui ai dit « est-ce que je peux mettre ce poème en musique ?» Il a réfléchi un moment, il m'a dit « vous savez, il me semble que vous écrivez avec un auteur qui n'écrit pas si mal ». Je lui ai dit « oui, 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 mais votre poème est très beau ». Alors il a réfléchi un peu, il m'a dit « ok ». Alors, voici « Ma seule amour ». Oh,
jour, jamais me retrouver jusque vers.